Bonjour, mes chers élèves, les premières années sciences maths, français et arabe. Dans cette vidéo, je vais passer à la partie 3 du chapitre des applications. Grand 3, c'est image directe et image réciproque d'une partie par une application. J'ai déjà parlé des applications injectives, surjectives, bijectives, et j'ai parlé aussi de la bijection réciproque. Et j'ai traité des exercices corrigés sur les applications injectives, surjectives et bijectives. Maintenant, je vais parler de images directes et images réciproques par une application. Soit l'application F définit de l'ensemble de départ E vers l'ensemble d'arrivée F qui a tout X associé Y qui est égal à F de X. A une partie de E et B une partie de F. Je vais commencer par l'image directe d'une partie de l'ensemble de départ E. Et dans la deuxième partie, je vais parler de l'image réciproque d'une partie de l'ensemble d'arrivée. L'ensemble formé des images f de x avec x appartenant à A est appelé image directe de A et qui se note f de grand A, et définie par f de grand A qui est l'image directe de la partie A, une partie de E par f. C'est l'ensemble des f de x formé par les f de x tels que x appartenant à A. Donc, c'est une partie de l'ensemble de départ. Et on a y appartenant à f de A, et ça c'est aussi c'est intéressant. Y appartient à f de A, c'est une image. Et pour qu'elle soit image, ça veut dire qu'il faut montrer qu'il existe un x appartenant à A tel que y égale à f de x. Donc, Y est une image, appartient à l'ensemble image, c'est-à-dire à l'image directe, s'il existe un X de A tel que Y égale F de X. Je donne un exemple maintenant. Soit F, l'application qui est de R vers R, qui est tout X associé X au carré. Et je vais considérer deux parties. A, c'est l'ensemble formé par les quatre éléments, moins 1, 0, 1, 4. Et B, c'est l'intervalle fermé 1, 4. On a F de A, c'est, je cherche l'image, c'est formé par F de moins 1, F de 0, F de 1 et F de 4. Je calcule F de 0, c'est 0, au carré, c'est 0. F de moins 1, c'est moins A au carré, c'est 1. Et F de 1, c'est A au carré, c'est 1. F de 4, c'est 16. Et dans un ensemble, on ne répète pas les éléments. Donc, il est formé de trois éléments, c'est 0, 1, 16. Et f de b, c'est f de l'intervalle fermé 1, 4. Et je vais montrer que l'image de l'intervalle 1, 4, c'est l'intervalle 1, 16. Pour cela, je vais essayer de montrer deux inclusions. Soit x appartient la première, soit x appartenant à R. X appartient à l'intervalle fermé 1, 4, ça veut dire x il est encadré supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 4. Ceci implique que x au carré, puisque c'est un encadrement positif, donc le carré, ça sera entre 1 au carré qui est 1 et 4 au carré qui est 16. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 4, f de x appartient à 1, 16. Parce que f de x, c'est quoi? C'est x au carré. Et ceci, à partir de celle-ci, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que f de tous les x qui sont dans l'intervalle 1, 4, ils sont dans l'intervalle 1, 16. Ceci, il va nous donner l'inclusion suivante. F de l'intervalle fermé 1, 4, il est incluse dans l'intervalle 1, 16.
Ça veut dire, quel que soit, et ça c'est une équivalence. Normalement ici, pour montrer que f de l'intervalle 1,4 est inclus dans l'intervalle 1,16, il faut montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1,4, f de x, elle appartient à l'intervalle 1,16. Donc, pour montrer que f de l'intervalle i est inclus dans l'intervalle j, il faut montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle en question, les f de x, elles sont dans l'intervalle 1,16. Ça, c'est une implication, c'est une inclusion, la première inclusion. Maintenant, je vais montrer que l'ensemble, que l'intervalle 1,16 est inclus dans f de l'intervalle, dans l'image directe de l'intervalle 1,4. C'est-à-dire, ça c'est écrit en gros, ça veut dire pour montrer cette inclusion. Il faut montrer que quel que soit y appartenant à 1,16, y, il appartient bien sûr à f de 1,4, l'intervalle fermé 1,4. Et pour qu'il appartienne à l'intervalle fermé 1,4, il faut qu'il existe un x appartenant à 1,4 tel que y égale à f de x. C'est pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire, quel que soit y appartenant à 1,16, l'intervalle fermé 1,16, il existe un x appartenant à l'intervalle 1,4 tel que y égale à f de x. C'est comme si je résous l'équation y égale à f de x d'inconnu x dans l'intervalle 1,4 pour un y quelconque dans l'intervalle 1,16. Donc, une relation avec la surjonction. Donc, soit y appartient à 1,16, existe-t-il un x appartenant à 1,4 tel que f de x égale y égale à f de x. On a y égale à f de x, équivalent à y égale à x au carré. Et je sais que y, il est positif, donc je peux chercher x en fonction du y, x en fonction du y. Donc ça va me donner la racine du x au carré égale la racine du y, équivalent valeur absolue du x égale y. Et ça va me donner x égale racine du y ou x égale à moins racine du y. Je vais essayer d'encadrer y. Y, il est encadré entre 1 et 16. Donc la racine du y, il est entre 1 et la racine de 16 qui est 4. Donc, la solution convenable, c'est x égale racine du y. C'est ça qui va répondre à la question de l'existence. Elle est dans 1,4. Et ça me dit, ou x égale moins la racine du y. Ça, ce n'est pas un élément de l'intervalle entre 4. Donc, cette solution n'est pas évidente, n'est pas convenable. Et pour moi, il existe au moins. Donc, x égale la racine du y existe dans l'intervalle 1,4. Et ceci, il me donne que l'intervalle 1,16, il est inclus dans f de 1,4. Donc, vous avez double inclusion. Vous avez ici 1 et vous avez 2. Donc, en conclusion, a et 2 impliquent l'égalité. Donc, il implique l'égalité. On va revenir bien sûr à ces inclusions et ces égalités dans les exercices. Un exercice d'application. On donne l'application g de l'intervalle ouvert au moins 1, bien sûr, moins 1 plus l'infini vers R, l'ensemble d'arrivée, qui est tout x associé g du x. Ça, c'est g du x, bien sûr, c'est g du x. Et g du x, c'est quoi? C'est 3x moins 1 sur x plus 1. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, g du x, c'est 3 moins 1 sur x plus 1. Vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle fermé, ouvert, pardon, moins 1 plus l'infini. Pourquoi ouvert? Parce que moins, c'est le domaine de cette fonction, c'est r moins moins 1, et on a pris la restriction, c'est-à-dire on a pris la moitié du domaine, c'est-à-dire l'intervalle moins 1 plus l'infini,
Parce que le domaine, c'est la réunion de deux intervalles. Moins l'infini, moins 1, over en moins 1, union moins 1, plus l'infini. Donc, l'ensemble de départ, c'était une partie des domaines de définition. Donc, vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini over en moins 1, g du x est strictement inférieur à 3. En déduire, donc, ici, il y a g de moins 1 sur 3. L'image directe de l'intervalle moins 1 plus l'infini par g est inclue dans l'intervalle over moins l'infini 3. Et comme question, troisième, la quatrième question, g est-elle surjective? Donc, essayez de mettre pause, chercher l'exercice et revenir bien sûr aux solutions. Je vais donner maintenant la solution de l'exercice. Avant de donner la solution, les solutions, je vais donner une proposition concernant la surjection ou bien l'application surjective et l'image directe de l'ensemble de départ. Si je prends f de E vers f, qui est tout x associé y égale f de x, une application. On sait que l'application est surjective, c'est quel que soit y appartient à f, il existe x appartenant à E tel que f de x égale y. Ça va me donner que f, il est inclus dans f de E. Et on sait déjà que f de E, il est inclus dans f. Donc, une application surjective par équivalence de E et une application surjective de E vers F, elle est équivalente F de E égale F. Donc, si on arrive à démontrer, à trouver l'image ou bien à déterminer l'image directe de l'ensemble de départ par l'application F, s'il est égal à l'ensemble d'arrivée, alors l'application est surjective. S'il est différent, alors l'application n'est pas surjective. Et je vais maintenant passer aux solutions. Les réponses. On a la petite a, soit x strictement supérieur à moins 1. Je vais calculer 3 moins 1 sur x plus 1. Je réduis au même dénominateur, c'est 3 fois x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Après, je développe, ça me donne 3x plus 3 moins 1 sur x plus 1. Et ça me donne finalement 3x plus 2 sur x plus 1. Donc, il me donne g de x. Voilà. Et vous pouvez, à partir de g de x, vous pouvez ajouter, c'est-à-dire ici, ajouter 1 et retrancher 1. Ça donne 3x plus 3 moins 1. Et ça, c'est pareil. La fraction en deux fractions. 3x plus 3 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Après, factoriser par 3 et simplifier par x plus 1 et ça vous donne le résultat. Petit b. On a x supérieur à moins 1. Implique x plus 1, il est supérieur à 1. Il est supérieur à 1. Donc, l'inverse, il est positif. Normalement, l'inverse ici, 1, l'inverse d'un nombre négatif, c'est un nombre négatif. L'inverse d'un nombre positif, c'est un nombre positif. Ça, c'est strictement positif. Avec moins strictement négatif, ça donne 3 moins 1 sur x plus 1 est inférieur à 0. Et ça me donne g de x inférieur à 3. Ça veut dire la conclusion ou bien la déduction, quel que soit x appartenant à l'intervalle over moins 1 plus l'infini, g de x appartient à l'intervalle over moins 1 moins l'infini 3.
Et ceci, il va nous donner que l'image. Toutes les images sont les images de quoi? Les images de l'ensemble de départ. Les images de l'ensemble de départ. Toutes les images de l'ensemble de départ sont dans l'intervalle moins l'infini 3, ouvert, bien sûr, en 3. Ouvert en 3. Donc, ceci, ça vous donne que G2, l'intervalle moins 1, 3, plus l'infini, est inclus. L'appartenance sans les éléments. Et se transforme G2, l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini est inclus dans l'intervalle ouvert moins l'infini 3. Déduction. Puisque toutes les images sont dans l'intervalle moins l'infini 3, et pour mon application, l'ensemble d'arrivée c'est quoi? C'est l'ensemble R. Donc l'ensemble R, il est divisé en deux intervalles. L'intervalle moins l'infini 3 et l'intervalle fermé 3 plus l'infini. Toutes les images sont dans l'intervalle moins l'infini 3 et les images qui sont, les Y qui sont dans l'intervalle fermé 3 plus l'infini, ils n'ont pas d'antécédent. Donc déduction. Si je prends Y appartenant à l'intervalle fermé 3 plus l'infini, alors l'équation Y égale à G du X n'admet aucune solution dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pourquoi? Car les G du X, les images sont strictement inférieures à 3. Donc G n'est pas injectif. Et je peux utiliser le théorème, ou bien la proposition. Vous avez f de l'intervalle moins 1 plus l'infini, puisque elle est incluse dans l'intervalle moins l'infini 3, donc elle ne peut être jamais égale à r, parce que celle-ci, elle est incluse dans r. Donc g de l'intervalle est incluse d'une manière stricte. L'intervalle moins l'infini, moins 1 plus l'infini, ça sera inclus strictement dans l'ensemble R. Et finalement, l'image, ce n'est pas l'ensemble R. Donc, l'application n'est pas injective. Donc, autrement ici, donc dans ce cas-là, et je peux en déduire que F non surjectif. Ce cas, normalement, donc, je peux répondre de deux manières, soit la première, soit la deuxième. Je vais passer maintenant à l'image réciproque d'une partie par une application. J'ai déjà parlé de l'image directe, c'est l'ensemble des images, mais maintenant l'image réciproque et spécialement d'une partie de l'ensemble. Donc, je suis intéressé par une partie B de l'ensemble d'arrivée. Donc, l'image directe, c'est l'ensemble des images. Donc, c'est une partie de F. Et on verra que l'image réciproque, c'est l'ensemble des X, des antécédents des images qui sont dans la partie B. Donc, soit l'application, toujours je parle des applications, f de e vers f qui est tout x associé y égale à f de x. L'ensemble des antécédents x de e, tels que f de x appartenant à b, est appelé image réciproque de b, bien sûr par f, et se note f moins 1 de b. On a déjà parlé de l'abjection réciproque. Mais ici, l'application réciproque, c'est-à-dire ça, c'est notation. L'image réciproque de B par F. Donc, F moins 1 de B, c'est quoi? C'est l'ensemble des X. Et F de A, c'était l'ensemble des Y, tel que Y égale à F du X, avec X appartenant à A. Donc, F moins 1 de B, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que F de X appartient à B.
Donc, puisqu'il est formé par des x de E, donc c'est une partie de E. Et on a aussi x appartient à f moins n de B, équivalent l'image de x, f de x, elle est appartenant à B. Par exemple, je considère une application qui est définie par un diagramme sagittal. C'est-à-dire, si je prends une application F définie de l'ensemble E et l'ensemble F. Ça, c'est bien sûr F, c'est une application. Je vais la définir une application. Et cette application, l'ensemble de départ, je vais prendre les éléments A, B, C. Et l'ensemble d'arrivée, vous avez 1, 2, 3, 4. Et je définis maintenant mon application. Les images. L'image de A, c'est 1. L'image de B, c'est 2. L'image de C, par exemple, c'est 3. Quelle est l'image directe de... Et je vais prendre deux parties. A, qui est AB, et le B, qui est par exemple 1, 2, 4. Si je veux déterminer F de A, F de A, elle est formée par l'image de A et qu'elle est normalement ici, chaque élément de l'ensemble de départ, il a une image et une seule. Donc il n'y a pas un élément de A. A, il a une seule image. B, il a une seule image. C, il a une seule image. Donc l'application qui est dans mon schéma ici, qui est définie par les diagrammes sagittaux, c'est une application. Est-ce qu'elle est surjective? Injective, ça veut dire ici, vous avez normalement A est différent de B, F de A est différent de F de B. La même chose ici. Il n'y a pas deux éléments qui sont différents et ils ont même image. Donc, elle est injective. C'est par exemple, je fais ici l'image de B, c'était 1. Ce n'est pas injectif. Ça veut dire f de a est différent de b, f de a égale à f de b n'est pas injectif. Est-ce qu'il est surjectif? Il n'est pas surjectif parce que 4 n'a pas d'antécédent. Donc, f de a c'est quoi? Ce sont les images. F de a c'est 1. F de b c'est 2. Ça c'est l'image directe. Si je prends f moins 1 de b, quel est l'antécédent de 1? C'est A. L'antécédent de 2? C'est B. L'antécédent de 4? Il n'a pas d'antécédent. Si je veux, par exemple, quelle est l'image réciproque du singleton 4? 4 n'a pas d'antécédent. Il n'existe aucun x tel que f de x égale à 4. Donc, c'est l'ensemble vide. Ça, c'est uniquement pour schématiser un peu une application. Les images, il y a ces questions. Et vous avez ici F. Donc, l'application, il s'intéresse bien sûr. On s'intéresse à l'ensemble de départ. Tout élément de l'ensemble de départ, il a une image et une seule. La surjection, c'est l'ensemble d'arrivée. Et l'injection. Normalement, ça concerne les deux. Chaque fois que je prends deux éléments différents de l'ensemble départ, il faut qu'ils auront même deux images différentes. Ou bien inversement, s'il y a égalité des images, alors il y a égalité des antécédents. Je passe maintenant à un exercice d'application.
On considère l'application f de r vers r qui est tout x associé x carré moins 6x plus 2. Premièrement, petit a, déterminer f moins 1 de singleton 2, c'est-à-dire l'image réciproque des singletons 2. On y déduit que f est non injectif, ou bien n'est pas injectif. Deuxièmement, montrer que f de l'intervalle de l'ensemble de départ r qui est moins 7 plus l'infini. F et petit b, est-ce que f est surjectif? Donc l'image de r c'est moins 7 plus l'infini. Si je veux qu'il soit surjectif, il faut changer l'ensemble d'arrivée par l'intervalle moins 7 plus l'infini. Et on verra même si je veux qu'elle soit injective, je dois diviser l'ensemble R en deux intervalles. Parce que ça c'est un trinôme et le trinôme il se représente par une parabole. Et le sommet de cette parabole c'est quoi? C'est moins B sur 2A. Même le tableau de variation, ça sera divisé en deux. Et on peut prendre soit la moitié de l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, ou bien moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est l'exercice qui fait chez soi, donne bien sûr ces choses-là. Je passe aux solutions maintenant. Vous avez f de r vers r qui est tout x associé x carré moins 6x plus 2. C'est une application. Premièrement, petit a, soit x appartenant à R. J'utilise la propriété que j'ai déjà donnée. X appartient à F moins 1 de 2. Équivalent, l'image de 2 par F, c'est, ça veut dire F de X égale à 2. Et je vais résoudre une équation F de X égale 2. Donc, si vous avez ce genre de question, vous pouvez passer directement. X appartient à F moins 1 de A égale F moins 1 de B équivalent F de X appartient à B. Équation de second degré, X carré moins 6X plus 2 égale à 2, en simplifiant les deux et en factorisant par X, donc ça donne X facteur de X moins 6 égale 0. Dans ce cas-là, elle se calcule directement, sinon vous avez le discriminant. Ça donne X égale 0 ou X égale 6. Donc l'ensemble de solutions, c'est la paire 0, 6. Comment je vais l'exploiter pour dire que mon application n'est pas injective? Qu'est-ce que ça représente 0? 0, son image, c'est 2. Vous avez f de 0, c'est 2. F de 0, elle est égale à 2. Et f de 6, elle est égale aussi à 2. Parce que ce sont solutions de cette équation. Donc, vous avez deux antécédents, deux éléments de l'ensemble de départ, 0 et 6, qui sont différents et ils ont même image. Donc, mon application n'est pas injective. Voilà. Ça, c'est la première question. F de 6 égale F de 0 et 0 différent de 6, donc F n'est pas injectif. Je passe maintenant à la question deuxièmement petit a. Montrant par double inclusion que F de R égale moins 7 plus l'infini. L'intervalle moins 7 plus l'infini. Et j'ai dit ici les ensembles. Donc, on montre que A égale à B, les ensembles A et B sont égaux, s'il y a normalement, soit je peux procéder par équivalence si c'est permis, sinon je montre la double inclusion. A est inclus dans B et B est inclus dans A. Je commence par montrer, ça c'est la plus facile. F de R est inclus dans l'intervalle moins 7 plus infini. Voilà, ça c'est ce qui est écrit en bleu. Ça donne bien sûr la justification. Quel que soit x appartenant à R, f de x appartient à moins 7 plus l'infini. Et parfois, il y a des confusions. Je prends
Je montre que f de x est supérieur ou égal à moins 7, c'est-à-dire par différence, quel que soit x appartenant à R, et j'en déduis que f de R, c'est l'intervalle moins 7 plus l'infini. Non. Ça, c'est uniquement si tu prends x appartenant à R et tu montres que f de x est supérieur ou égal à moins 7, tu as montré une seule inclusion. Pour montrer celle-ci, je fais la différence. F de x moins moins 7 égale x carré moins 6x plus 2 plus 7. Normalement, ici, ça donne 9 et ça donne une identité remarquable, supérieur égal à 0. Donc, f de x appartient à l'intervalle fermé moins 7 plus l'infini. Montrons maintenant l'intervalle moins 7 plus l'infini est inclus dans R. Ça, c'est la surjection. Quel que soit y appartenant à R, y appartient à 7. Y appartenant, si y appartient à l'intervalle moins 7 plus l'infini, alors y appartenant à f de r. Donc, on doit montrer que quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 7 plus l'infini, pour que y soit une image, ça veut dire il faut qu'on montre l'existence d'un x appartenant à R tel que y égale à f de x. Autrement dit, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 7 plus l'infini, existe-t-il un x de R tel que y égale à f de x? Donc, soit y appartient à moins 7 plus l'infini, en résoudant R, l'équation y égale à f de x. Donc, par équivalent, y égale à f de x, vous pouvez remarquer ici, ça va me donner x moins 3, le tout au carré égale à y plus 7. Y plus 7, il est positif, car y est supérieur ou égal à moins 7. Vous passez bien sûr, soit on va la racine, ça donne valeur absolue. Donc, ou bien x grand x au carré égal à r positif, par équivalence, ça donne grand x soit la racine de r, ou bien moins la racine de r. Donc, ça donne x moins 3, c'est la racine du y plus 7, ou x moins 3 égale à moins la racine du y plus 7. Et ceci, il donne x égale 3 plus la racine du y plus 7 qui est plus 7 au deuxième. Donc ceci, je dis par équivalence, x égale à 3 plus la racine de y plus 7, ça c'est un réel, appartient à R, ou x égale à 3 moins la racine du y plus 7 qui appartient à R. Par exemple, si je veux que cette équation admet une seule solution, je vais changer l'ensemble d'arrêts de départ pour que celle-ci soit vraie, ou bien celle-ci, c'est la solution convenable. Vous pouvez remarquer que ce x, il est supérieur ou égal à 3, et celui-là, il est inférieur ou égal à 3. Donc, si je veux que mon application que je viens de vous donner, l'application f de r vers r soit bijective, je change l'ensemble d'arrivée avec l'intervalle moins 7 plus l'infini, et je change l'ensemble de départ, soit par l'intervalle moins l'infini 3, et celle-ci ce sera la seule solution, ou bien l'intervalle fermé 3 plus l'infini, et celle-ci ce sera la bonne solution. Donc l'équation y égale à f de x admet deux solutions. Il y a une qui est dans l'intervalle 3 plus l'infini et l'autre dans l'intervalle moins l'infini 3. Et dans ce cas-là, j'obtiens que f, l'intervalle moins 7 plus l'infini, il est inclus dans R. Donc celle-ci, la première c'était 1 et celle-ci c'est 2. Donc de 1 et 2, on obtient l'égalité. L'égalité. Donc attention, parfois vous montrez une seule implication, une seule inclusion, la première, mais celle-ci, ça vient de la surjection. Et parfois, bien sûr, s'il y a une seule solution, ça vient de bien montrer que l'application est bijective. Type B, on a f de r, c'est l'intervalle moins 7 plus l'infini, il est différent de r, donc f est non surjectif. Et j'applique bien sûr cette remarque. Ou bien,
Toutes les f de x sont dans l'intervalle fermé moins 7 plus l'infini. Donc toutes les images, ils sont dans l'intervalle moins 7 plus l'infini. Si je prends les éléments y qui sont dans le complémentaire de cet intervalle qui est l'intervalle ouvert moins l'infini, 7, moins 7, pardon, ces y, ils ne peuvent pas être des images. Donc toutes les y qui sont dans l'intervalle moins l'infini 7 n'ont pas d'antécédent. Ou bien tout simplement, vous pouvez prendre un contre-exemple, c'est-à-dire prendre un élément qui est inférieur strictement à moins 7, un y appartenant et qui est inférieur strictement à moins 7. Et dans ce cas-là, l'équation g de x, f de x égale y n'admet pas de solution. Pourquoi? Parce que moins 7, l'élément qui est inférieur strictement à moins 7, y inférieur strictement à moins 7, et les f de x sont supérieurs ou égaux à moins 7. Donc, dans ce cas-là, l'application n'est pas surjective. Et si je veux que mon application soit, si vous avez dans une question, par exemple 3, changer l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée pour que mon application f soit bijective, donc vous allez changer l'ensemble d'arrivée par moins 7 plus l'infini fermé, et l'ensemble de départ soit l'intervalle moins l'infini 3, ou bien 3 plus l'infini. Et le 3, il représente moins b sur 2a. Dans mon cas qui est une parabole. C'est-à-dire c'est la courbe qui est une parabole, mais la fonction c'est un polynôme de second degré. Donc avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi n'hésitez pas de liker, partager, commenter. Si vous êtes sur Facebook aussi, il y a les likes, les partages, les commentaires et il faut suivre ma page sur Facebook. À bientôt et à la prochaine vidéo.